Après la roche, après l'eau, vient la glace maintenant. Les blocs erratiques du Salève présentés par Sylvain Coutran. Alors Sylvain Coutran est glaciologue et géomorphologue, docteur en géographie alpine et membre associé au laboratoire Editem CNRS à l'Université de Savoie. Il collabore avec l'Institut de géographie et durabilité de l'environnement de l'Université de Lausanne, ainsi qu'avec l'Université de Genève et le service archéologique départemental de la Haute-Savoie. Ses activités se partagent entre recherche et diffusion de la connaissance auprès d'un large public. Spécialisé dans l'étude des glaciers des glaciers alpins depuis la dernière glaciation jusqu'à nos jours, ses travaux ont fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, mais également des articles et des livres de vulgarisation. Si vous regardez des documentaires sur la région, eh bien vous voyez souvent Sylvain Coutran. Donc il participe régulièrement à des documentaires, à la radio, donne des conférences pour le grand public et les établissements d'enseignement. En 2018, deux livres vont paraître. L'Atlas des glaciers disparus aux éditions Guérin et les glaciers des Alpes aux éditions du Belvédère. Je crois que ce sera en mars 2018 la parution. Je vous laisse là. Alors, on parlera du cadre géographique très rapidement. On va faire un petit inventaire rapide des blocs erratiques découverts au sommet du Salève, qu'on connaît depuis des dizaines, voire des centaines d'années. On parlera bien entendu des glaciations à l'échelle des Alpes, des glaciations quaternaires qui se sont succédées et qui ont apporté ces blocs erratiques au sommet du Salève. On va parler un petit peu de la préservation de ces blocs erratiques, de toute une démarche qui a démarré au 19e siècle pour essayer de conserver ce patrimoine géologique. Et on parlera de la déglaciation avant de conclure rapidement. D'ailleurs, il n'y a pas de conclusion. Alors, le cadre géologique, le Salève, c'est tout simple, il est situé ici, je vais pas regarder là-dessus. Le cadre géologique, le cadre géographique plutôt, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et on constatera bien qu'on est entre la vallée de l'Arve et le bassin genevois, donc le paléo-trajet du glacier du Roux. Le Salève. Idéal pour étudier les glaciations du bassin genevois, les glaciations quaternaires, avec deux images, vue du bassin genevois et l'autre, une vue aérienne du plateau sommital du Salève, qui culmine à 1310 mètres pour ce secteur-là et 1375, 1380 pour cette deuxième partie du Salève. Le col de la Croisette, avec le petit village de la Croisette, qui est en dessous de 1200 mètres. Et puis les blocs erratiques. Alors ça, il ne s'agit pas d'un bloc erratique trouvé au sommet du Salève, bien entendu, il s'agit d'un bloc erratique en phase de transport, enfin qui n'est pas encore erratique, hein. il est en phase de transport sur le glacier d'Aletsch. Dans une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, il sera au bout du glacier, et quand il sera déposé, malheureusement, le glacier aura peut-être perdu 2-3 km, et là, on parlera de bloc erratique. C'est une table glaciaire pour information, une formation que l'on décrit assez souvent. Un bloc erratique emblématique, il y en a beaucoup, c'est celui de la place du Gros Caillou à la Croix-Rousse, une quartzite triasique qui vient de la Vanoise, qui vient du cœur du massif de la Vanoise. Comme quoi ce sont bien la Croix-Rousse, les glaciers de la Vanoise et de la Tarentaise qui sont allés dans ce secteur-là. Alors une cartographie aussi qui est particulièrement intéressante, que j'ai voulu présenter, c'est la carte de Le Charpentier. Le Charpentier était vraiment un instigateur de la théorie glaciaire, puisqu'en 1841, il publie cette carte dans son ouvrage « Le terrain erratique de la vallée du Rhône ». Alors le glacier du Rhône depuis le Valais, jusqu'au flanc du Jura et au nord du lac de Neuchâtel, y compris le bassin genevois. Pour se rapprocher des Alpes, se rapprocher du Salève, c'était intéressant de montrer le contexte paléogéographique de l'Europe il y a 24 000 ans à peu près, au dernier maximum glaciaire. Une grande calotte glaciaire s'étend sur le nord de l'Europe, et là vous verrez très nettement que le niveau de la mer a un niveau déprimé d'environ 130 mètres, c'est le maximum de dépression qu'on appelle glaciostatique, c'est-à-dire qu'il y a un tel stockage de glace sur les continents que cette eau, au bout de plusieurs milliers d'années, elle est prélevée régulièrement à la mer. Le cycle de l'eau qu'on connaît aujourd'hui est rompu, et du coup, les calottes glaciaires augmentent en volume, mais le niveau de la mer a baissé de 130 mètres il y a à peu près 20 000 ans. Ensuite, le niveau de la mer est remonté. Alors, on va se rapprocher des Alpes avec
une des plus grandes glaciations qu'on appelle la Most Extensive Glaciation. On ne connaît pas son âge, probablement 350 000 ou 450 000 ans. En gros, on a une glaciation tous les 100 000 ans. Et là, c'est ce qu'on appelle le glacier de la Dombes. La Dombes, cette région couverte d'étangs au nord de Lyon, le glacier arrive en contact avec le massif du Mont d'Or, bloque l'écoulement de la Saône, d'où la présence d'un gigantesque lac qui s'étend pratiquement jusqu'à Dijon. Au sud, on a un glacier très volumineux aussi, mais on a surtout ce glacier de la Dombes qui est constitué par le glacier du Rhône. Le point rouge représente l'emplacement du Salève qui, à ce moment-là, est sous la glace. Alors, un témoin de cette glaciation, la pierre de Rancé, qui se situe à l'extrémité ouest de la Dombes. Et voici une flèche qui montre le parcours de ce bloc erratique venu du nord du massif du Mont-Blanc. Il a transité par la vallée du Rhône, il est passé sur le lac Léman en Genève, et puis il a contourné le Jura pour aujourd'hui être perdu au milieu d'un champ de maïs, à peu près une dizaine de kilomètres de Trévoux. Alors, on a effectivement là un bloc erratique de granit du Mont-Blanc, il n'y a aucun doute, c'est pas du granit de l'art, c'est bien du granit, on n'a pas de crotte dedans, hein, pour reprendre une expression qu'on a eue tout à l'heure, c'est pas du sédimentaire. La deuxième carte montre l'avant-dernière glaciation. Alors, les glaciations sur 3-4 glaciations, on va appeler ça des risques différents, risques anciens, risques récents, risques moyens. Le risque récent, il est bien étudié, il est bien connu, il correspond aux moraines de la Croix-Rousse et de Caluire. Le pléniglaciaire autour de 170 000 BP before present, abréviation utilisée couramment en langage scientifique. Et on voit très bien que le glacier est venu en contact avec le massif du Mont d'Or et on a un lac de côte légèrement inférieur qui vient s'établir. La Dombes n'est pas totalement recouverte par les glaces. Et le Salève est toujours sous la glace. C'est une glaciation très importante avec des niveaux, des épaisseurs de glace assez considérables. Alors cette carte est une compilation des différentes données, données suisses et données françaises, compilation avec plusieurs auteurs, hein, les auteurs qui ont travaillé sur le lobe lyonnais, d'autres auteurs qui ont travaillé sur la Suisse. C'est pas toujours évident de faire une corrélation entre les deux sites, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de questions et on n'a pas toutes les réponses. Alors voilà le bloc emblématique de la place du Gros Caillou à la Croix-Rousse, qui a été découvert dans un chantier au 19e siècle dans les moraines de la Croix-Rousse et dans le prolongement, vous avez également les moraines de Caluire. Le Salève, on y arrive. Les blocs erratiques du RIS, du sommet du Salève, les voici. Voici un bloc de gneiss de la nappe de Sivier-Michabel, venu du Valais, bien identifié par des géologues comme Michel Martaler. Il y a énormément de blocs de ce type de roche, de ce type de lithologie au sommet du Salève. On en a aussi dans la région du Mont Boissy, la Pierre à Martin, qui est le même type de roche. Donc tout ça est transporté par le glacier du Rhône. Un autre bloc datant du RIS qui est un vrai, hein, impossible, en tout cas pour moi, de donner sa provenance, ça devrait être possible, je pense, en étudiant avec de la mince, éventuellement, on pourrait peut-être déterminer le type de grès et d'où vient ce bloc erratique. Alors là, on est situé bien au-dessus de 1200 mètres, on est vraiment dans une zone qui n'a pas été atteinte par la dernière glaciation. Et voici justement la dernière glaciation, aux environs de 30 000 BP, avec des âges qui sont encore aujourd'hui controversés, il y a encore un grand débat, et le débat n'est pas terminé. Il y a encore quelques années de travail avant de savoir l'âge de ce dernier maximum glaciaire. On sait qu'on a deux grandes pulsations pendant le Vuon, la glaciation du Vuon. Une entre 50 et 60 000 ans, 60 000 BP, et l'autre entre 25 et 35 000, peut-être 40 000. On a beaucoup d'incertitudes à ce sujet. Toujours le Salève ici, qui émerge de la glace à ce moment-là. Et aussi le Salève vu du môle au-dessus de la vallée de l'Arve. La photo n'est pas exceptionnelle, mais c'est simplement pour vous montrer d'un côté le bassin Genevois, du côté de la vallée de l'Arve, et vous montrer également le niveau de la glace au Vuon, avec sans doute un glacier peut-être un peu plus haut côté vallée de l'Arve que côté Genevois. Et puis le col de la Croisette laissait certainement passer de la glace au maximum du Vuon. Au-dessus, on a le niveau du RIS, avec les blocs erratiques du sommet du Salève, encore un bloc de gneiss à proximité de celui qu'on a vu tout à l'heure, vers 1300 mètres d'altitude, et en dessous, d'autres blocs correspondant au dernier maximum glaciaire. Et là, j'ai mis exprès un bloc estampillé avec un F qui correspond au bloc qu'Alphonse Favre avait recensé
et tenter de préserver en faisant graver des F sur tous ces blocs. Alors voici une vue du bassin genevois aujourd'hui avec Genève et le Mont Blanc dans le lointain. On a une petite partie du Salève, le petit Salève, le grand Salève. Et voici une photo restaurée datant il y a à peu près 30 000 ans. Alors, elle n'est pas trop mal. La restauration est bien réussie. Donc on a le glacier du Rhône qui est en zone d'ablation hein, dans ce secteur-là. On a des crevasses un peu partout. Et donc on s'attache souvent à faire des reconstitutions cartographiques et ensuite paysagères. Ça, c'est quand même assez intéressant. Cette carte plus détaillée, elle est là pour vous montrer, non pas les altitudes, mais les flux de glace autour du Salève. On a le glacier du Rhône venu du couloir glaciaire de Martigny et une pénétration du glacier du Rhône à l'intérieur du Chablais par le pas de Morgin, parce que l'épaisseur de glace était très importante sur Montet. Le glacier du Rhône s'écoule sur le Genevois. On a la côte 1100 mètres au niveau du Salève, la côte 1200 mètres au niveau des Voirons. Et là, en pointillé, vous avez des moraines le long des Voirons, toute une série de moraines. Le glacier de Larve qui devrait apparaître, voilà en rouge, correspondant à l'écoulement du glacier de Larve dans le couloir glaciaire entre le Salève et le massif des Bornes, sur le plateau des Bornes, sur le col des Vires, sur le col du Sapet. Et contre le Salève, on a le flux du glacier du Gifre qui est bloqué par le glacier du Rhône ici et qui vient en contact avec le Salève. Et la pétrographie des échantillons de roches, des blocs erratiques, petits, grands, surtout des petits, sur le versant est du Salève, en dessous de 1200 mètres, ça correspond en grande partie à du matériel transporté par le glacier du Gifre. Donc il fallait bien que le glacier du Gifre passe quelque part de toute façon. Et tout ça s'écoulait vers le sud. Voilà l'exemple d'une brèche du Chablais, qui ne ressemble pas aux brèches de Tarentaise. Et puis, les trajets des blocs erratiques pendant les maxima d'englacement. Alors, les maxima du Ris ou du Vurne. J'ai représenté des gneisses de la nappe du Sillier-Michabel qu'on retrouve au sommet du Salève. Et voici un exemple. Et en rouge, la trajectoire des granites qu'on va retrouver également à proximité du sommet du Salève. Ça, c'est valable pour le Vurne, mais c'est valable pour le Ris aussi. Et vous voyez que les granites du sommet du Salève ne viennent pas du massif du Mont Blanc, parce que le glacier de Larve est complètement contraint par le glacier du Gifre et par le glacier du Rhône. Il est contraint vers l'est, contre la montagne de Soulines, contre tous ces sommets, qui le Salève ne voit pas le flux de Larve arriver. C'est seulement bien après, quand le glacier du Rhône a perdu de l'épaisseur. Alors à propos des blocs au sommet du Salève, bon, on a un grand instigateur de la préservation des blocs erratiques, c'est le géologue suisse de Genève, Alphonse Fabre, qui en 1867 a lancé un appel solennel pour que les Suisses préservent ce patrimoine géologique. Et en 1877, il fait graver de nombreux blocs, à peu près 120 blocs erratiques entre Chamonix et Genève pour leur préservation. Alors on en voit un exemple ici, on a vu celui-là tout à l'heure en photo, et le géologue Alphonse Fabre dans les années 1875. Un autre gros bloc Fabre, c'est la pierre Beauregard qui se situe au niveau d'Essery, c'est un petit village où il y a énormément de moraines latérales du glacier de Larve. Là, on est côté Arve du Salève. Et puis, un autre bloc qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui le bloc Alphonse Fabre. C'est le bloc erratique le plus élevé de la vallée de l'Arve. Il est à 1650 mètres. C'est un bloc de granit du Mont Blanc sur les flancs de la pointe d'Andelle. Voilà la carte de Fabre avec ses 120 blocs numérotés en rouge. Vous avez ici les blocs du Salève. Et ça commence dans la région de Chamonix, dans la vallée de l'Arve ici. Alors la déglaciation autour du Salève, elle va avoir des trajets glaciaires différents et des blocs erratiques qui viennent par des itinéraires différents que lors des maxima. On va prendre l'exemple de la séparation des glaciers du Rhône et de l'Isère. Alors ça vous surprendra un petit peu quand je parle de glaciers de l'Isère, on va plutôt dire des bassins versants de Tarentaise qui ont été des grandes zones d'alimentation. Là, vous avez le glacier de l'Arve en rouge, le glacier du Rhône en bleu et le glacier isérois, glacier Tarentaise, Beaufortin, qui arrive par le sud-est par la cluse d'Annecy, la ville d'Annecy, l'emplacement du lac d'Annecy, par le lac du Bourget, à l'emplacement du Bourget, et paradoxalement, cette langue glaciaire s'écoule, non pas à contrepente, mais vient envahir toute la Chautagne et vient bloquer l'écoulement du Rhône, d'où la présence du vaste lac de la Semie. Et derrière
cette région-là, derrière la montagne du Vache, vous avez le col du Mont Sion qui est ici. Le glacier de l'Arve est limité par différents détails géomorphologiques qui vous permettent de mettre la côte du glacier de l'Arve, notamment le lac de Sainte-André-de-Bouège à 1750 mètres. Puis vous avez la montagne de Sion. Et derrière la montagne de Sion, au nord de la montagne de Sion, vous avez une énorme quantité de blocs de granit qui viennent bien, comme la flèche rouge l'indique, du glacier de l'Arve. Voici un autre. Et puis en contrebas, en s'approchant de Valérie, un petit peu plus bas que la montagne de Sion, vous avez à nouveau des blocs erratiques, des blocs cristallins, qui correspondent à un abaissement de la surface du glacier du Rhône dans le Genevois. Encore 2 minutes. Le Petit Salève. Une petite photo du Petit Salève avec ce soleil qui est rasant, une forêt mélèze bien rousse, avec de quantités absolument industrielles de blocs erratiques. En 1826, il y en avait plus de 1200. Aujourd'hui, il y en a à peu près 400, peut-être un petit peu plus. En fait, il y a eu une énorme exploitation des blocs erratiques qui a été faite depuis le milieu du 19e siècle. On les a utilisés pour des trottoirs, pour des monuments, pour des encadrements de fenêtres. À Genève, Lausanne avait ses propres blocs exploités, mais le Petit Salève était une véritable mine, si on peut dire, pour l'exploitation des blocs erratiques. Alors il en reste notamment la pierre à tasson, qui est un des plus gros blocs erratiques du Petit Salève. Le retrait glaciaire continue, on a toujours une confluence avec le glacier de l'Arve. Vous avez les moraines d'Esserie, village d'Esserie, vous avez le golfe d'Esserie. Le glacier de l'Arve s'écoule dans le Genevois, le glacier du Rhône et la pierre Beauregard qui correspond à cette étape. Cette pierre qui a été mise en valeur par Alphonse Favre dans les années 1877. Et un autre bloc, le plus volumineux de la région, c'est la pierre aux dames qui se situe au niveau du bois d'Ivre, un tout petit peu au-dessus du village d'Esserie. Un énorme bloc de granit. Ce sont des granites, hein, tous ces blocs. Alors le trajet des blocs de granit pendant la déglaciation, après les phases des maxima d'englacement, vous avez quand même des blancs en rouge qui vont être déposés le long de la rive sud du lac Léman. Et puis la vallée de l'Arve va aussi faire transiter beaucoup de blocs de granit dans le bassin genevois alors que les glaciers confluaient encore, et aussi l'origine des blocs du Petit Salève. La plupart des blocs du Petit Salève n'ont pas transité par le glacier du Rhône, mais ont véritablement transité par la vallée de l'Arve, alors que le glacier de l'Arve abaissait sa surface progressivement. Il ne faut pas oublier que les blocs erratiques qui sont en place ne sont pas révélateurs, ne sont pas les indicateurs du maximum, mais sont des révélateurs de la déglaciation, même pour les blocs les plus haut perchés. À la fin du dernier pléniglaciaire, entre 23 000 ans, on a une étape cruciale, c'est la formation des moraines des rocailles, la plaine des rocailles au niveau de la roche sur fond. Vous avez des moraines qui bordent les villages de Saint-Sixte-Saint-Laurent, la roche sur fond et la plaine des rocailles, la roche sur fond ici, le Salève dans le lointain. Et cette géomorphologie permet de reconstituer la forme du glacier de l'Arve à ce moment-là. Et on peut mettre en parallèle la récurrence de Genève du glacier du Rhône qui a déposé la moraine de la vieille ville. C'est la colline de la vieille ville sur laquelle la cathédrale est construite. Donc c'est une étape majeure de retour. Il y a suffisamment de forages qui montrent qu'on a un retour des glaciers à ce moment-là. La date, on ne la connaît pas parfaitement. Entre 25 et 24 000. C'est, le maximum est bien antérieur. Les rocailles, des blocs préservés dans la zone industrielle de la Roche-sur-Foron, mis en valeur bien souvent par les projecteurs. Autre chose, la tour du château de La Roche-sur-Foron, ici, est construite sur un gigantesque bloc de capture burgondien. Et tous ces blocs datent d'un écroulement gigantesque sur le glacier de l'Arve. La plaine des rocailles, la tour de Belmont également, et la fin arrive à point nommé. Merci. Des questions. Non, vous voulez tous un café.
Oui, merci, professeur Exposé. Je vais me poser la question, le long de lac Léman, dans la région de Thonon, il y a des blocs qui dépassent, qui affleurent, de gros blocs de granit. Ce sont aussi des blocs erratiques? Oui, ce sont aussi des blocs erratiques. Je ne connais pas le nom de celle-ci, je connais les pierres du Thonon à Genève. Oui. À Thonon, il y en a effectivement, ce sont des blocs abandonnés par le glacier du Rhône pour l'an 100. Très bien, merci. Bonjour, moi j'ai une question concernant la plaine de Rocaille. Les blocs qui la constituent sont bien issus d'un effondrement qui s'est produit dans la vallée de Laval. À l'avant et où? Alors l'effondrement, l'écroulement majeur, hein, on l'a repéré en travaillant un peu sur le terrain, c'est sur le versant de la pointe d'Andet qui domine la vallée de Laval. C'est toute la barre calcaire louvainienne qui est tombée sur le glacier de l'Arve, et à une époque où le glacier était à sa phase maxi, puisque les blocs ont été transportés quasiment jusqu'au front, en recouvrant une partie du glacier, mais toutes les moraines latérales sont coiffées par des blocs de calcaire urgonien. Donc ça veut dire que le glacier était en phase de crue. S'il avait été en décrue, on n'aurait pas des crêtes coiffées par des blocs urgoniens. Mais c'est bien l'urgonien, c'est sûr. Oui, je voulais vous dire, vous avez signalé qu'effectivement, autrefois, on ne touchait pas tellement à ces blocs erratiques, hein, et que c'est à partir du milieu du 19e qu'on a commencé à les couper en petits morceaux. Et Madame de Croix a fait une étude des pierres de la Chartreuse, nous sommes là ce soir, et je vais faire remarquer que dans cette pièce où nous sommes ici, il n'y a pas un seul morceau de granit. Et pourtant, il y a des granits tout autour de la Chartreuse. Ah, j'ai peut-être une réponse, je ne sais pas, c'est une suggestion. Oui. C'est que ça date du 12e siècle ici. Pardon? Ça date du 12e siècle à peu près. Oui, voilà, en 1170. À cette époque-là, ils ne maîtrisaient pas la trempe des outils. Donc la taille des granites, c'est les graniteurs italiens qui l'ont apporté grâce à leur trempe, la trempe de leurs outils au 19e siècle. Alors, est-ce que c'est un problème de respect des pierres ou un manque d'outils? Je pense que c'est une question. La question est posée. Il n'y en a pas la réponse. Suite à votre remarque, j'ai fait attention. Et effectivement, jusqu'à présent, dans les constructions du Moyen-Âge, je n'ai pas trouvé de granit. Quand il y avait du granit, il avait été apporté après. Voilà. Sauf que j'ai quand même une question pour la Chartreuse du reposoir. Il y a des escaliers en granit, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été construits. Non, je vais m'enseigner, je peux le faire. Est-ce qu'il y a une autre question? Je voulais savoir par rapport aux blocs erratiques désignés par Alphonse Fabre, est-ce qu'il existe une liste avec tous les blocs numérotés, et est-ce que l'ensemble des blocs existent encore, est-ce qu'ils ont bien été préservés? Je pense que Daniel Descouet est plus à même de répondre pour cette question pour la liste. Je suis toujours en train de chercher la liste. Mais elle aurait été présentée à la Société Géologique de France. Donc j'ai demandé la semaine dernière, parce qu'on m'a posé la question, de regarder dans le compte rendu de la Société Géologique de 1868. Je n'ai pas encore la réponse. D'accord. Parce que j'avais aussi regardé les archives de Favre au Musée d'Histoire des Sciences, je n'ai rien trouvé. Il y a une liste quelque part, on ne l'a pas. Donc j'espère trouver, ou alors écrire à la Société Géologique de France. Donc, en tout cas, beaucoup de blocs ont disparu par exploitation. Hein. Tous ne sont plus debout. Alors, on arrête les questions maintenant. Oui, désolé.